Bonjour et bienvenue sur Atelier Mode. Aujourd'hui, nous allons voir le dessin de croquis sur Wacom Studio Pro et le logiciel Sketchbook Pro. Contrairement au logiciel pour iPad, Sketchbook pour PC ou Mac apporte beaucoup plus de fonctions et de souplesse. Ce logiciel conçu pour les graphistes est tout à fait adapté pour les stylistes qui recherchent un logiciel simple à utiliser. C'est largement moins cher que la suite Adobe. Et comme vous venez de le voir dans ce début de vidéo, nous pouvons apporter des croquis de base qui nous permettront de dessiner nos croquis. Je travaille toujours avec des bases de données, les mêmes que sur mon iPad. Dès que j'importe une image, le petit cercle bleu que vous voyez à l'écran apparaît. Dans cette petite pastille se regroupent la mise à l'échelle, la rotation et le déplacement de l'image. Nous retrouvons les mêmes outils de dessin que dans l'application iPad, c'est-à-dire la plume, le pinceau, la gomme, enfin bref, tous les outils qui vous sont coutumiers si vous travaillez avec l'iPad. Et oui, je pivote toujours autant ma page, toujours avec deux doigts. J'ai fusionné coiffure et contour du visage et je prends l'outil de sélection rectangulaire pour pouvoir pivoter l'ensemble et mettre mon axe de symétrie pour le reste du dessin.
Ce qui est bien dans Sketchbook Pro, c'est qu'on trouve beaucoup plus d'outils d'aide au tracé, comme la règle, le cercle, le pistolet. Ces petites aides sont vachement pratiques pour ceux qui ont du mal avec les courbes, par exemple.
ce que vous devez savoir, c'est que Sketchbook possède son propre format d'enregistrement et que vous pouvez enregistrer avec des formats courants comme JPEG, TIFF, mais aussi le PSD qui est le format Photoshop, et ça c'est super car moi je peux continuer un travail de colorisation dans Photoshop. Mais la mise en couleur de ce croquis se fera sur iPad car j'ai découvert une nouvelle appli qui s'appelle Affinity Photo. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Il y a un outil qui est génial. C'est un outil qui permet en fait de tramer des images textiles et donc de donner des effets de souplesse à la matière. Et ça, c'est génial. Donc je vous ferai une petite vidéo de démonstration. Voilà qui clôt aujourd'hui notre séance de découverte Sketchbook PC. Merci à vous et à bientôt. Thank you.